Coucou les copinettes, me revoilà pour la suite de la vidéo sur l'ouverture bal concours partage bonheur. Donc j'ai trois courriers à ouvrir là. Donc, on va commencer par le premier dans l'ordre où je les ai trouvés dans ma boîte aux lettres en arrivant cette nuit, enfin plutôt ce matin parce que je suis allée chercher mon courrier chez maman ce matin. Donc comme elle les a rangés, je les ai prises. Donc nous en étions au numéro 12. Donc là, hop, le numéro 13. Hop, je vais ouvrir. Hop. Est-ce que ça va vouloir sortir comme ça? C'est pas dit. Non, il va falloir que j'ouvre un peu. Ah, ça y est. Ouh. Halloween, c'est la saison des monstres. Regardez-moi ça si c'est mignon. Alors c'est vraiment les tons d'Halloween, hein, le violet, le orange, le petit chat un petit peu dans la lune, mais non, c'est soit c'est une citrouille, soit c'est une lanterne. C'est chouette. Ah, regardez donc, ça s'ouvre. Alors attendez, je regarde parce que je crois qu'il y a un petit mot là. Ah, mais oui. Alors, donc, regardez, on va faire comme ça. Je ne vous montre pas son petit mot. Vous voyez, tout est rangé avec sur la carte avec des trombones. Alors, elle a fait des embellissements. Donc, je vais sortir les choses pour le petit mot. Hop, je vais lire le petit mot. La lumière qui me gêne. Merci, c'est très gentil. Oui, effectivement, j'aime un petit peu les ATC, mais vraiment juste un petit peu. J'adore, j'adore, je suis red dingue de ces petites cartes. Eh bien, écoute, merci. Merci, Gervaise. Alors, la petite ATC. Alors, elle a été faite oui, l'année dernière. Ça s'appelle Les Couronnes de Noël. C'est la 3 sur 6. Voilà. Très jolie ATC qui représente bien Noël. Le rouge, le vert, les paillettes. C'est superbe. C'est la 3 sur 6. Oui, j'ai dû le dire, je crois. Alors, elle m'a fait un petit trombone altéré. Enfin, altéré. Je ne sais plus comment on dit. Hein. Enfin, vous m'aviez compris. Un petit trombone avec... un petit fanion et puis une petite princesse Disney, je crois. Cendrilla, oui, ça doit être Cendrillon, du coup. C'est très mignon. Heureusement que ma petite fille n'est pas là parce qu'elle me l'aurait déjà piqué. Et puis celle-ci aussi. Celle-ci aussi, très jolie, hein, avec Minnie. Regardez, c'est très, très mignon. J'adore. Avec le petit trombone comme ça là pour glisser ça dans un junk, sur une carte, voilà, on met ça comme ça, c'est sympa, très très sympa. Et des petits cœurs avec des bouts de ruban. Ah, mais ça c'est peut-être bien toi qui les as fait du coup. Ils sont chouettes, regardez, un cœur, un petit bout de ruban avec un petit morceau de mousse 3D derrière, c'est très sympa ça. Petite idée toute simple, mais ça fait tout de suite son effet. J'aime beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, du coup, on pousse un petit peu Gis. Oui, parce que du coup, le pot, ben, il s'appelle Gis. Hein. Donc, je pousse Gis. Et du coup, je vais mettre des petites affaires comme ça. Tu as le numéro 13. Donc, hein, le numéro 13. Voilà. Hop, le numéro 13, le petit papier, hop, numéro 13, ploups, si je mets mon doigt dessus, vous allez rien voir, Gervaise. Le temps s'assombrit de plus en plus.
roule. Hop. Si ça se trouve, le message, c'est Fran. Oh, Fran, je te fais marcher, rigole. Comme dit mon petit-fils, rigole. Alors, hop. Gervaise, dans la petite boîte. Merci, 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 merci. Alors ensuite, le numéro 12 qui me vient de Anne-Marie. Une très jolie enveloppe avec des petits pots, des tampons, des petits pots avec un cœur à l'intérieur. C'est très très joli. Hop. Je joue. Ouh, il y a beaucoup de choses dans cette enveloppe. Des papiers, je vois. Une très jolie serviette qui cache quelque chose. Je le sens. Ouh. Oh, alors ça, je vous le montre tout de suite. C'est très, très beau. Regardez-moi ça. C'est une image crochetée. Donc, j'en fais un petit peu. Donc, je sais que c'est du travail. Et puis, il est très bien fait. Il est très régulier. C'est magnifique. Et puis, l'image de l'horloge au milieu, c'est vraiment très beau. Ah ouais, ça, c'est super beau. Des deux côtés. Voilà, c'est vraiment magnifique. Là, franchement, super beau. Alors, qu'est-ce qu'il y en a des choses. Alors, je vais ouvrir la petite... ceci, je pense que c'est la petite carte. Oui, c'est la petite carte. Regardez. Donc, les petits papillons qui ont été découpés là, mais qui font le creux pour voir le papier dessous. Et les papillons qui ont été recoupés, enfin, qu'elle a découpé dans le même papier, qu'elle a recollé là. Ça fait que ça fait le pendant, mais pourtant ici, ils sont en creux. Les petites demi-perles, c'est très chic. C'est une carte très très chic. Puis un petit papillon de l'autre côté. D'accord, alors une mamie, ben oui, bienvenue au club. Ah Marie Calac, ben c'est toi Marie, excuse-moi, j'avais pas percuté sur ton sur le moment sur ton adresse. Les ATC sont faits avec des rouleaux de papier WC. Oui, comme nous l'a certes, tu vas certainement sur la chaîne de Miss Mimiou là, qui a fait, nous a fait toute une série de d'ATC avec de pas d'ATC mais d'embellissement de junk avec des rouleaux de papier WC. Et elle fait un concours d'ailleurs. Faut lui envoyer deux ATC faits suivant ses tutos et voilà, il y a un junk à gagner. Donc j'ai participé, je pense que toi aussi. Et alors de jolis papiers. On m'a mis tout un tas de papiers. Nous allons découvrir les ATC dans leur belle petite pochette. Hop. Waouh. Ah oui. Elles sont très très belles. Alors celle-ci qui fait très chabi avec sa petite dentelle de perles roses, la dentelle, le petit ruban. La petite image découpée. Elle est très jolie ta découpe là que tu as mis sur l'image. J'aime beaucoup. Le petit nœud. Très très belle. Alors, elle s'appelle la dame au perroquet. Ah oh, mais oui, je n'avais pas vu qu'il y avait un perroquet. Regardez les filles. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Eh ben c'est moi. Voilà. Ben non, vous savez maintenant à quoi je ressemble. C'est chouette hein. J'aimerais bien ressembler à ça. Alors, vous m'imaginez un tout petit peu plus ronde, hein, quand même. Non, elle est très... Ah, j'adore, c'est une très délicate attention, Marie. Merci. J'apprécie énormément. En plus, c'est exactement le même perroquet. Hein. C'est un ara front bleu, là. Et je vois que là, c'est pareil. C'est comme nos perroquets à nous. Elle a été faite le 27-10 et c'est la une sur une. Franchement, merci. J'adore l'intention. C'est très, très, très beau. Alors, celle-ci aussi, très jolie, qui reste plus craft, du coup. Alors, café sucré,
Elle a été faite le 28-10 et c'est la une sur une. Ça, c'est sympa parce que ben, il y en a chaque ATC, il y en a qu'une et elles sont pour moi. Regardez, elle est très jolie aussi avec le petit cupcake là en 3D, le petit ruban et puis le petit tampon. Et là, ce petit tampon là, Instant Gourmand, est très très joli. Elles sont trop belles. Merci, merci, merci. Et je kiffe cette petite image. Et franchement, l'intention de, voilà, qui se rapporte à, vraiment à moi, quoi. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Alors, Marie, hop, tu as le numéro donc 14. 14. Voilà, plutôt dans le bon sens pour que tu puisses voir. Et tiens, tu vois, tu l'entends du coup, Maya? Elle a dit, ah, moi aussi, je veux voir. Voilà, hop. Donc, Marie, le numéro 14. J'allais boucher mon stylo avec la paille, n'importe quoi. Donc voilà, le numéro 14. Et je vais te rouler. Cette ATC, là, avant de ranger ton enveloppe avec les autres copines dans l'enveloppe participation concours, je vais la montrer à mon mari. Il va lui aussi énormément apprécier la petite chose là. Hop, dans la petite paille. Et Marie, te voilà. T'as la boîte. Merci, merci, merci. Donc, je vais ouvrir l'autre courrier. Où es-tu? Alors, c'est un courrier qui me vient de Sonia, qui a une chaîne. Donc, c'est pareil, hein. Je vous mettrai la chaîne de Marie, la chaîne de Sonia en barre d'infos. Donc, et bien ici, il s'agit du 15. Voilà, donc Sonia, tu as le numéro 15. Je vais t'ouvrir par ce côté. Je regarde. Une jolie petite enveloppe. Enfin, c'est protégé dans. C'est un espèce de papier. Très chouette ton papier là. Ça fait comme pas du papier de riz, mais c'est très joli. Waouh! Ouf, mon Dieu! Donc je mets le petit papier de côté parce que je vais le récupérer, bien sûr. Regardez déjà. C'est une enveloppe. Ah, d'accord. Bon. C'est magnifique. Je vais essayer de trouver d'abord la petite carte qui, je pense, est ici. Oui. Waouh. Vivre ses rêves. Alors, le fond est travaillé avec des gouttes d'eau, la distress certainement, avec des tamponnages, une petite gorgeuse, je crois, oui, qui a été découpée et assemblée. Des petits flocons, des demi-perles. Et ici, du papier pailleté. Je ne sais pas si vous voyez. Avec la lumière, c'est pas sûr. Donc le petit mot. Petite participation. Petite, petite, dis donc. C'est son univers préféré, les Gorgeous. Et j'espère que cela te plaira. Mais oui, évidemment. Mais évidemment, Sonia, que cela va me plaire. Cela me plaît déjà d'ailleurs. Alors, je vais commencer. Hop, par. Waouh. Alors, toujours dans le même fond. Un magnifique marque-page, il est trop beau. Toujours avec la petite Gorgeous, vivre ses rêves, les mêmes petits flocons, le petit nœud. Et puis derrière, un joli tampon, lever les yeux au ciel, attraper les étoiles et décrocher la lune, rêver en grand, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, c'est un peu vrai. C'est magnifique. Ça va aller dans le livre que je lis actuellement. C'est trop beau.
Alors, une petite attention. Regardez ce petit tampon là. C'est trop joli avec le petit nœud. Tout un tas de petits nœuds qu'elle a fait elle-même, bien sûr. Hein. Avec la bonne idée, comme la, nous le répète Douceline, quand on fait ce genre de déco soi-même pour envoyer des petits embellissements maison, de penser à mettre l'ouverture en bas, comme ça, pour ne pas avoir à déchirer les jolies décos que vous faites en haut pour pouvoir sortir l'embellissement. Là, le scotch est en bas, donc ça fait qu'on ouvre, voilà. On peut sortir les petits nœuds sans avoir à déchirer le petit sachet, et ça c'est top. Merci Douceline de nous avoir fait penser à ça, parce que franchement c'est une bonne idée que je retiens et que maintenant je dirai aux filles, quoi, comme là je viens de le faire. En tout cas, ces petits nœuds sont très très sympas. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce, parce que c'est pas fini. Ah là là, là vous voyez, c'est une petite enveloppe, pouf, et tout son papier est fait pareil, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est chouette, hein. Alors, tout un tas de découpes sur Noël. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous montrer tout ça? Alors là, je suis embêtée, tiens. Est-ce qu'on les verrait si je les mets comme ça? Oui, alors un cerf, un sapin, des biches, des sapins, ça c'est bien de saison, merci. Encore des petits biches et des cerfs. Ah, un mot, hiver, ça il est très joli ce mot-là. Hop, hiver, il est très beau. Là, il y a marqué Merry Christmas. Hop, en doré, c'est super beau. Là, il y a Noël aussi. Elle est très belle cette découpe là. Noël. Un petit cadre avec. Oh, c'est sympa ça. Hop, 25 décembre. Voilà. 25 décembre, c'est sympa ça. Et puis alors, les fameux petits flocons. C'est super. Ah, puis des petits moufles. Regardez, ils sont sympas ces petits moufles. Ouh, ça sent l'hiver tout ça. Donc je le rangerai après pour ne pas les abîmer en voulant me dépêcher. La petite pochette qui est sympa aussi. Pouf, hein, je récupérerai. Et j'ai encore de belles choses là. Une Memory Dex. Pareil, magnifique. Ah, j'aime bien la façon dont tu as découpé ta Memory Dex. Hein. C'est très, très original. La même Gorgeous, le même papier de fond qui est vraiment très beau avec le papier ici pailleté. Vivre ses rêves. Le petit flocon et la petite perle. Sympa. Alors, ok, ton anniversaire, c'est le 2 octobre. Hein. Si les filles, vous suivez Sonia, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Son anniversaire, c'est le 2 octobre. Alors, ses couleurs préférées, toute la palette de rose, mauve, bleu et turquoise. Son style préféré, les Gorgeous, Magnolia, Fairy et Paillettes. Bah, voilà. Hein. Elle aime les animaux, les roses, les orchidées, les fraises Tagada, moi aussi. Les Kinder, moi aussi. Les pralines, bah, moi aussi. Le thé et le café, bah oui, voilà, moi aussi. J'adore ton petit tampon. Comment je vais faire pour ne pas le montrer ton adresse? Voilà. Les voyez, les créas de Sonia. Il est très beau ce tampon personnalisé. Ça aussi, c'est je vais m'en faire un aussi. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, l'ATC, ben voilà, elle est toujours aussi belle. C'est toujours le même petit ours. Regardez, c'est la même image que sur le marque-page. Avec pareil, la neige en bas, le papier pailleté qui fait neige. Le flocon, le même titre. Alors, alors là, je suis flattée parce que alors, le nom de l'ATC, ça s'appelle Concours des 1000. Franchement, ça, c'est la une sur une, donc elle est unique. Elle a été faite le 24-10, donc par Sonia. Et voilà. Donc, sa chaîne, c'est les créations de Sonia, mais je vous mettrai son lien. C'est super beau.
Mais écoutez, les filles, là, aujourd'hui, c'est ouf. Ces deux vidéos balles du bonheur, vraiment ouf. Alors donc, tu as le 15, Sonia. Je vais mettre les créas de Sonia, parce que c'est comme ça, hein, ta chaîne, donc les créations, oui. Voilà, les créations de Sonia. Tu as le numéro 15. Voilà le numéro 15, Sonia. Je te roule. Et dans la boîte. Et bien voilà, voilà encore de trop belles choses. Merci les filles. J'ai même plus assez de place sur mon bureau pour que tout soit bien mis en valeur. C'est un peu dommage. Voilà. Écoutez les filles, je vous remercie encore énormément. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.